j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors du coup il n'y a pas de vidéo qui est sortie vendredi dernier, je vous le dis sur Instagram, parce que je comptais faire deux vidéos cette semaine là, du coup une vidéo aujourd'hui mercredi et une vidéo vendredi. J'ai le même pull que la prochaine vidéo qui va arriver parce qu'en fait je filme le même jour, voilà tout simplement. Et là je suis chez Jules, c'est pour ça que c'est pas mon décor habituel, c'est que je suis chez Jules. Et du coup petite vidéo qu'on a préparée tous les deux, c'est un swap de Noël. Alors ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de swap, c'est grave le truc que je kiffe filmer. Du coup j'ai tous les petits cadeaux là qui sont autour de moi qui m'a mis et tout. Bon, je suis chez lui mais il est parti voilà. Et du coup il m'a fait mon petit menu, j'ai mes petits paquets cadeaux trop mignons. Et du coup bah voilà, j'espère vraiment que le concept de la vidéo va vous plaire. Ça fait grave longtemps, c'est grave les vidéos à l'ancienne et je kiffe de fou. Et du coup bah voilà, j'espère que ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Déjà j'ai même pas la même qualité parce que c'est la caméra de Jules et elle est trop bien, j'aurais fait focus et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup on va commencer directement. Alors il m'a dit swap avec Danaï ma poupée, à nos 4 ans d'amitié, à notre duo iconique, à notre séparation, mais on revient plus fort, je t'aime fort. Oh mon bébé il est trop mignon, je t'aime. Alors on avait le numéro 1, tu m'en avais parlé, le voici à ton effigie, très girly. Alors numéro 1 c'est ça, le paquet cadeau, j'adore. Ah non je sais ce que c'est. De mon effigie, genre parce que j'adore prendre des photos tout le temps, je prends tout le temps des photos. Et là c'est un Astax mini, genre c'est des petits genre Polaroid. Pour ça j'adore les Polaroid. Et il a pris rose en plus, grave ma couleur. Non mais j'adore les Polaroid, je trouve ça grave beau. À chaque fois mes potes qui en ont, à chaque fois je le prends et je veux prendre des photos et tout, je trouve ça trop stylé. Et là en rose trop mignon, je vais pouvoir faire des bêtes de photos. Trop mignon Jules. Bon je vais pas dire merci à chaque truc mais merci, c'est trop beau, j'adore, je kiffe ce truc. Tu me connais très très bien. Numéro 2, recharge moi ça grognasse. Recharge moi ça, bah c'est peut-être des recharges du coup pour Polaroid. Recharge moi ça grognasse. Nico. Trop mignon le packaging. Ouais, trop bien. Alors il m'a pris des un pack où il y en a deux, genre il y en a 20 du coup, 20 trucs, ça c'est trop bien. On a jamais assez des trucs comme ça et en plus comment ça coûte cher. Il m'a pris monochrome, il m'a pris des trucs genre en mode noir et blanc pour faire des photos en noir et blanc, c'est trop stylé ça. Genre on va grave faire des trucs vintage et tout, genre je kiffe. Trop bien. Merci ma vie, ma beauté, ma diva. Numéro 3, une jeune femme avec une âme d'enfant dans son meilleur bain. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bonbon le truc. Avec une âme d'enfant dans son meilleur bain, donc c'est forcément un truc pour le bain. J'essaie de sentir pour voir si ça sent lush parce que le bain c'est souvent lush. Oh c'est trop près ça. J'en avais acheté un, je me rappelle. Oh ça sent tellement bon. Alors ça si vous connaissez pas, c'est tellement la cam en fait. C'est des trucs de chez Lush. C'est des petites pattes comme ça, il y a plusieurs couleurs. Et ça sert à faire un bain moussant et vous pouvez vous laver avec. Vous pouvez vous laver les cheveux et tout le corps etc. Et moi j'en avais un et genre je prenais une palette entière. Vous pouvez prendre même pas la moitié, enfin, genre moins la moitié et tout. Mais moi j'adore prendre une palette entière. Et en fait c'est sous forme de pâte à modeler et en fait tu peux t'amuser dans le bain avant. Genre c'est pour les enfants mais moi je kiffe ça de ouf. Et je m'amuse dans le bain, genre je fais des formes, je fais des trucs et tout. Et je me lave en même temps avec, je refais des formes, je me lave les cheveux avec. C'est trop trop bien. Et en plus ça fait un bain moussant. Je trouve ça trop trop stylé, ça j'adore. Et là du coup il m'a pris festif. J'ai des petites paillettes dessus, genre elles sont colorées. Festive Friends, voilà. C'est trop trop bien. Genre vraiment j'adore ce genre de truc, genre je kiffe. Il me connaît pas mal le petit Jules. Numéro 4, pour ta chambre de youtubeuse plus star que jamais. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est le numéro 4. Oh non. Ah je le kiffe. C'est quoi? C'est des, je crois c'est des lumières, la guirlande. Oui c'est des guirlandes que je fabrique moi-même. Genre je mets les petites lumières dans les boules là. C'est des boules en fait. Et il y a des petites lumières qui sont en bas, donc je mets les lumières dans les boules. Et après et ça s'accroche en fait avec un fil. C'est trop bien. C'est trop stylé. C'est grave les couleurs de ma chambre en plus. Ah je kiffe. Je mettrais grave ça dans ma chambre. Genre au-dessus de mon lit avant de m'endormir. Ah ça fait grave les trucs de YouTube. Alors vous savez genre j'ai mon lit. Et je les mettrais au-dessus de mon lit, genre sur ma tête de lit. C'est trop frais. J'adore. Très youtubeuse beauté. Très girly. Il me connaît bien, vraiment. Ensuite, numéro 5. Tu me l'as piqué si souvent, tu ne t'ennuieras plus désormais pendant tes trajets. Oula. Ah, c'est grave lourd. Choqué. C'est très lourd. Tu me l'as si souvent piqué. Si c'est que je pense. Parce que je sais qu'il y a un truc que je pique tout le temps. J'ai très peur. Si vous voyez ce que je vois là. Qu'est-ce que je l'aime. Il m'a acheté une Switch de fou. Une Switch les gars. Genre ça c'est tellement la base. Ah c'est trop frais. Il m'a acheté une Switch. Il est complètement malade. Je suis choquée. Ah je kiffe, je suis trop contente. Mon nouveau bébé. Je vais plus poster de vidéo, c'est terminé. Mon comeback est fini. Je vais jouer à ça maintenant toute ma vie. Merci. Mais merci Jules, qu'est-ce que je t'aime. 6. Avec un jeu indémodable, c'est mieux. PS, si je t'avais connu enfant, je suis sûre qu'on aurait joué pendant des heures. Where is the sex? Le packaging est trop beau. Trop pailleté. J'adore. Qu'est-ce qu'il m'a acheté comme jeu?
Ok, c'est le best jeu en fait, c'est Mario Kart. Alors moi il y a un truc, c'est que genre apparemment Mario Kart ça va sortir là en 2019 sur l'iPhone. Ça fait tellement longtemps que j'attends que Mario Kart il sort, parce qu'avant je jouais sur ma Nintendo, genre sur ma petite DS, et genre c'était mon jeu préféré, je jouais tout le temps. Et depuis que j'ai plus ma DS, genre enfin j'avais ma DS quand j'étais toute petite, genre Mario Kart c'est toujours resté un jeu que je kiffe de ouf. Et du coup bah j'attends qu'il sorte sur l'iPhone, j'aimerais trop jouer. Mais en fait c'est beaucoup mieux de jouer sur la Switch en fait. Genre beaucoup mieux, en plus je pourrais jouer à deux. C'est trop bien, Mario Kart 8 Deluxe. J'adore, je suis trop fan. 7. Rien de mieux pour finir sa journée. 7. Une boule. C'est lush. Ça, ça te sent tellement bon lush. Oh, je kiffe. C'est quoi? Goddess. Je peux ouvrir ou pas? Je sais pas, je vais en foutre partout. Ouh, that's cute. Je vais la sortir pour vous, pour la montrer. Mmh, ok, ça sent grave bon. Elle est pailletée comme jamais, donc ça, ça va faire des grave des paillettes dans le bain, en mode Ariana Grande. Ça vient rentrer dans le nez, mais c'est grave beau, ça sent grave bon. Pour celles qui demandent, ça s'appelle la Goddess. Mais je suis trop contente. Les boules lush, c'est toute ma vie, genre le dimanche ou kuni, tu fais le petit masque pour les cheveux, le masque du visage, tu te fais la totale, tu te fais les ongles, tu te mets dans ton petit bain avec ta petite boule lush, ton petit thé, ta petite série. Mais c'est tellement le cliché de la meuf du dimanche, genre je kiffe. Et là, du coup, petite boule pour le bain, petite Twitch après, je kiffe. Ensuite, numéro 8. Maintenant que tu es youtubeuse, voilà un indispensable que tu me prenais tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me connaît par cœur? Vrai truc de youtubeuse. C'est une carte SD 64 Go. Déjà j'en ai 3 qui sont complètement pétées. Genre elles sont pétées en deux. Et à chaque fois je lui prenais sa carte mémoire, c'est vrai. Et du coup il en avait marre et du coup il m'a acheté une... Oula guys, on en a jamais assez, je pourrais en avoir 20. En fait ce qui est trop chaud, c'est que les cartes SD, c'est qu'elles se remplissent trop vite. Genre la carte elle est archi vite pleine, genre nous en tant que youtubeurs tu vois. Et c'est chiant à chaque fois de supprimer. Du coup là voilà, merci Jules. Ensuite, numéro 9. Oui oui, ils ne sont pas que aux USA, à nous les goûter avec Félix. Ça c'est le numéro 9. Le numéro 9 il est pas là, je dois attendre Jules avant qu'il revienne. 10. Tu en avais offert à ta sœur dans tes précédents swaps, tu lui offriras. Non je lui offrirai pas du tout. Parce que ce que vous savez pas, c'est que là, du coup, Julie, il est parti. Mais dans son swap, genre, on était tous les deux à Monoprix et on faisait nos... Ferme les yeux. On faisait... Ah merde, j'allais dire un truc que je peux plus dire maintenant. Si tu veux dire, tu veux entendre dans celle là-bas? Oui, mais non, tu vas m'entendre quand même. Non, j'entends rien, j'appelle des gens. Oui, oui, ils ne sont pas qu'aux USA, à nous les goûter avec Félix. Non! Comment tu l'as trouvé? Les goûter avec Félix. Ah mais ça ils me connaissent, ma communauté, vous savez très bien que je kiffe ces Oreos, je vous avais parlé 1000 fois sur Instagram et tout. Tu les as trouvés où? Mais il y en a dans le coin. Mais je suis choquée. Parce que je suis allée goûter chez elle avec Félix et elle disait oui. Genre ah non mais je sais c'est trop bon, il y en a que aux US. Oui. Qui veut, je les vois tous les jours. Mais oui, j'étais persuadée que c'était que aux USA, je suis choquée. On passe faire des petits goûters avec Félix. Ah oui, en fait. Ah je suis trop contente. À nous les goûter. Genre on a fait nos courses chacun dans le Monoprix et tout, on se montrait pas nos paniers, on a fait tous nos trucs séparés et tout jusqu'à la fin, il a pas vu. C'est très drôle, mais c'est vraiment très très drôle. On avait la même idée, genre la même idée. Vous verrez dans sa vidéo à lui, même idée, je suis choquée. Très drôle, très cocooning, très ambiance youtubeuse. Parfum Madeleine. Un indispensable. Numéro 11, après toutes tes colorations horribles, il faut rattraper tout ça pour retourner à tes cheveux de princesse. Oui c'est vrai que j'ai fait des colorations, mon dieu. Horrible, qu'est-ce qu'il m'a pris? Une huile. Qu'est-ce que je l'aime. On était au Monoprix, genre je parlais comme ça des cheveux, j'ai dit oh aussi j'adore cette marque. Il m'a acheté un shampoing aussi. Alors ça si vous connaissez pas les shampoings, c'est les meilleurs shampoings du monde. Genre qui sont archi doux et tout. Et genre je les utilisais grave, vraiment je sais pas au début de ma chaîne si vous me suivez grave au début. J'adorais les trucs aussi. Et là bah voilà, c'est le truc qui démêle archi bien et tout. Et là j'ai envie de sentir, putain j'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà. Ça sent tellement bon, ça sent grave bon et c'est le Miracle Nourish. Bah donc c'est un shampoing, mais genre c'est les meilleurs, les shampoings aussi c'est les meilleurs. Genre vraiment je kiffe. Merci Jules. 12 gourmande va. Ah ok, je savais pas c'était quoi le truc bon, mais si c'est gourmande. C'est une boîte de bonbons. En plus j'ai la dalle, je vous avoue. Ah oh, c'est mes préférés. C'est des pics. Je lui ai jamais dit en plus que j'ai genre les autres bonbons genre qui piquent pas, genre c'est pas mon délire. Mais là c'est... J'ai l'eau à la bouche, c'est les bonbons qui piquent, c'est mes préférés. Je vais l'ouvrir maintenant, vous m'excuserez, fait un peu comme chez moi. J'ai un peu faim, je vous avoue. Ça, c'est les bestes. Ça aussi c'est les bestes. Langue de chat, ok. Un régal, vraiment bon. Mais je suis gâtée là, qu'est-ce qui se passe? Numéro 13. Danae quoi? C'est quoi le nom de ta chaîne déjà? Bah du coup Danae Makeup. Mac. Ouh. What's in my bag? Qu'est-ce qu'on a pris? Deux petits produits. Pro Concealer and Correct Palette. Oh.
Alors ça c'est la cam. Ça c'est la cam de ouf. C'est une palette, je crois, de correcteur MAC. C'est les plus connus, genre. Ah, oh, j'étais fan de ça avant, au début de ma chaîne, genre il y avait des gens, genre des graves youtubeuses qui avaient cette palette et j'étais là en mode putain, elles ont la palette, c'est grave la palette des pros, genre. C'est trop frais. Du coup, il a bien choisi ma teinte, déclassée. Ah, ça va être trop bien, genre en mode illumination, rougeur, tout ça. Trop bien. Donc pour ceux qui demandent la référence, c'est pâle yellow, pâle pink. Je crois que c'est ça. C'est la light. Voilà. Donc petit concealer pour cacher les petites cernes. Et il m'a pris un deuxième produit. What is that? Brume fixante. Oh, j'ai jamais mis ça de ma vie. Brume fixante. Genre tout le monde en a, mais moi j'ai jamais mis ça. Genre je mettais jamais. On va. Qui va gêner? Je vais le mettre maintenant. Attends, j'ai très peur. Ah. Oh, ça sent la rose, c'est fait exprès. Brume fixante rafraîchissante à la rose. Ouais, c'est bien la rose, ça sent trop bon. Oh, je kiffe. Non, mais c'est trop bien. Par contre, faut faire sécher. Je sais pas si je vais être brillante à la caméra du coup maintenant. Mais apparemment, ça sèche et tout, ça fait fixer le maquillage et ça rafraîchit. Plutôt pas mal comme concept. Un bam. Ensuite, numéro 14. Pour tes lèvres botoxées. Ah, je vais le tuer. À chaque fois, il me charrie sur mes lèvres. À chaque fois qu'il me voit, il me dit. Tout le temps, genre, il me charrie sur ça. Alors que pas du tout. Qu'est-ce qu'il m'a acheté pour mes lèvres botoxées? Je suis obligée d'arracher. Oula. Sugar plum. C'est un truc lush, c'est un baume à lèvres. Oh. Oh, l'odeur. Ok, si vous avez l'occasion d'aller chez Lush, sentez cet exfoliant là, Sugar Plum Fairy. Ça sent le bonbon. Et là en plus ça sent grave bien parce que ça fait deux jours, je sais pas pourquoi. Genre vraiment je rigole pas. Ça fait deux jours, je sais pas pourquoi j'ai les lèvres archi gercées. Alors j'ai jamais eu les lèvres gercées de ma vie. Mais du coup, petit exfoliant qui tombe à pic. Non mais ils sont vraiment très bons. Si vous avez l'occasion vraiment d'aller dans un Lush, sentez-le. Ils sont archi bons. Numéro 15, le café de nos retrouvailles. Et je sais que nos retrouvailles on s'est fait au Starbucks. C'est fait où? Au Starbucks. Oui, nos retrouvailles, on l'a fait au Starbucks, non? C'est quoi le café de nos retrouvailles? Qu'est-ce que t'as fait? Une carte Starbucks. Comme ça, tu fais des Starbucks gratuits grâce à cette. Comment t'as fait pour avoir une carte Starbucks? Bah, c'est un cadeau de Noël. Je l'ai rechargé. T'as rechargé? Ah, ça se recharge, là? Bah oui, c'est un cadeau. Je suis une vraie youtubeuse là en fait. Oui, tu vois Starbucks. Ah oui, tout le temps. Même hier, je suis allée. Café de retrouvailles en fait. Quand on a mis les. Je suis trop contente, c'est trop déclassé comme cadeau. Tu vas faire quoi en fait? Bah rien, la prochaine fois que tu vas Starbucks, tu présentes cette carte et ils te débitent. Et j'ai mis de l'argent dessus. Je suis trop contente. Une carte Starbucks, mais qui rêve pas d'une carte Starbucks en fait? Alors, Starbucks gratuit. C'est une carte Starbucks illimitée. Illimitée? Non, je fais. Ce serait bien ça. Numéro 16, donc c'est le dernier numéro. Le meilleur pour la fin, vu que je sais que tu vas y jouer toute la soirée. Oh, Super Mario Party. Donc c'est pour jouer avec la Switch. Il m'a acheté deux jeux. Oh, tellement bien. Comme ça, je vais pas me lasser d'un jeu, genre. Super Mario Party. Comme c'est ma première fois que j'ai une. Enfin, que je vais jouer à ce jeu-là, je sais pas du tout c'est quoi le concept. Du coup, j'ai genre, t'as trop l'euphorie de découvrir le jeu et tout, genre, trop bien. Super Mario Party. Je vais pouvoir profiter de mes petits cadeaux. Du coup, voilà, le swap est terminé. Je suis trop contente. Tu m'as fait des vrais cadeaux. T'es le best des best friends. Par contre, j'ai déjà bouffé des bonbons, c'est tellement bon. Mais je sais pas si t'aimais les piquants. Oui, bah justement, j'ai dit dans la caméra, et je l'ai jamais dit, mais je préfère les piquants que pas les. Ah ouais, moi je pensais que t'aimais pas. Bah non, justement, les pas piquants, je sais pas mon délire. Bon, alors ça t'a plu? Pas trop. Pourquoi? Je rigole, mais oui, bien sûr, ça m'a plu. C'est trop bien, le petit mot au début, ça me. Trop touché à notre duo iconic. Non, ça m'a fait trop plaisir. Je suis trop contente. Mais vraiment, j'ai des best cadeaux là. Ça, c'est trop frais. Ça, t'aimes bien? Je lui ai dit que j'allais mettre au-dessus de mon lit là. Tu sais, sur ma tête de lit. J'ai une tête de lit. Ok, ouais. Derrière, et je vais mettre ça dessus, genre. Ouais, en plus, ça manque un peu de lumière là, dans oui. Ta chambre. Non, je suis trop contente. Non, vraiment, t'es le best. T'es trop. Je suis trop contente. J'ai hâte que tu vois mon swap à moi parce qu'il a pas encore ouvert mon swap. Donc, j'ai trop hâte qu'il ouvre mon swap à moi parce que tout est là. Il a oui, pas là, je vais juste ouvrir juste après. Ça t'a fait rire Oui, pour tes lèvres botoxées. Donc... Oui, genre, c'est mon ami, mais je suis persuadée à 100%. Que j'ai fait refaire mes lèvres. Ouais, et frère, tu me connais, tu pendant un an, c'est pas parlé. Et là, genre, on dirait qu'elle s'est fait botox, wesh. J'ai les mêmes lèvres que ma mère, tu peux voir des photos de ma mère. Hein. C'est quoi le truc dont t'es le plus content? Bah, déjà la Switch, la ça va être décassé. Félix et toi, vous avez tellement joué. Ah oui, et la Starbucks, ma vie entière, j'y vais tout le temps. Le Polaroid rose. Le Polaroid rose aussi. Bisous. Bon, du coup, bah voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis trop contente d'avoir fait ce swap avec Jules, swap de Noël. Et du coup, je remercie Jules pour ce beau swap magnifique. Je suis trop contente. Il m'a fait que des cadeaux que je kiffe. Y'a pas un truc où je suis déçue. Genre, tout est trop bien. Genre, tout est trop, vraiment trop bien. Je kiffe et j'ai trop hâte qu'il voit son swap à lui. Du coup, voilà, je lui laisse la place pour qu'il filme et n'hésitez pas du coup à aller sur sa chaîne YouTube Sandy Jules pour aller voir du coup son swap aussi parce qu'on la sort en même temps mercredi. Du coup voilà, bon moi je vous fais pas mal de gros bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres idées de vidéos que vous avez, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, de mettre des petits commentaires, de lâcher un petit pouce bleu et de me suivre sur mes réseaux sociaux dans les make-up. Voilà, je vous aime, je vous fais pas mal de gros bisous et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bye.